Bonjour tout le monde. Je viens vous proposer via cette vidéo des explications pourquoi est-ce que j'ai ouvert le groupe Le Petit Commerce de Maria. Alors, Le Petit Commerce de Maria s'adresse aux personnes, enfin s'adresse à tout le monde en fait au final, mais c'est surtout pour les personnes qui ont des soucis, effectivement, des problèmes d'argent comme tout le monde, mais qui ont quand même une certaine fierté et qui ne veulent pas, qui ont du mal avec le fait qu'on leur donne. Parce que le fait qu'on donne, il y en a qui acceptent très bien le fait qu'on donne, mais il y en a d'autres, ça leur... comment vous dire, ça montre davantage qu'ils sont dans le besoin, qui font pas partie, qui sont pas comme les autres, et ils ont besoin de se prouver qu'ils sont capables encore d'acheter quelque chose de bien, même si c'est d'occasion, c'est quand même de la bonne qualité que j'offre, que je mets en ligne. C'est de la qualité puisque je les ai achetés. Bon, c'est mes goûts à moi, hein. Ça plaira, ça plaira pas. Mais c'est vrai que les gens ont beaucoup de mal. Les gens ont beaucoup de mal dans le fait qu'ils ont l'impression de faire l'aumône quand on leur donne quelque chose. Ils ont l'impression de faire l'aumône, chose que beaucoup n'acceptent pas et chose que je comprends parce que personnellement, je ne l'accepterais pas non plus. Faire l'aumône, c'est vraiment être très... se sentir... on perd confiance. On perd confiance, on perd sa personnalité, on perd tout. Voilà. Et en achetant ne serait-ce qu'un pull ou une robe à 2 euros ou à 5 euros, et bien, quelque part, ou un pull pour homme ou une robe pour femme, ou peu importe, hein, ou des chaussures, ou n'importe, ben, quelque part, ça leur permet d'apporter une certaine... une certaine confiance en eux, en disant que, bon, malgré tout, bah, ils ont quand même réussi à acheter quelque chose. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse. Bon, les autres, bah, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas... voilà. C'est toujours bien de pouvoir acheter moins cher, hein. Je suis la première à en profiter, parce que faire du recyclage, acheter dans les grands magasins et faire des achats compulsifs, j'en suis revenue. Parce que j'ai eu des gros problèmes avec ça aussi, donc à faire des achats compulsifs, j'en suis revenue. Mais c'est surtout, surtout, surtout pour aider les gens qui, voilà, pour les revaloriser, voilà, qu'ils se sentent revalorisés. C'est vrai qu'avec le système actuel, ils n'ont pas trop la possibilité de se sentir valorisés du fait que, à la fin du mois, il leur reste 3 francs 6 sous pour finir le mois, quand ils ont la chance d'avoir. Parce que beaucoup finissent le fin de mois au 15, et c'est malheureusement le cas, et ça m'est déjà arrivé, d'où le fait que je vous en parle. Et de ce fait, bah, j'ai décidé d'ouvrir ce petit commerce de Maria, qui fait que vous y trouverez, vous y trouverez des livres, bien sûr, parce que c'est ma passion, mais vous y trouverez des vêtements aussi, que j'ai mis sur Vinted, et puis en y réfléchissant bien, je me dis... autant le mettre aussi sur mon petit commerce, parce que ça, si ça peut aider des gens, c'est très bien. Vous y trouverez aussi des bijoux, enfin tout ce qui peut, tout ce que je peux, moi, de mon côté, aider à partager. Il y aura sûrement des jeux pour enfants, il y aura, enfin c'est global, hein. Bon. Il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de boisson, et il n'y aura pas de produits frais. Voilà, il n'y aura pas de produits frais. Juste, voilà, c'est le petit commerce, voilà, où vous achèterez ce que vous voulez, si vous voulez, hein, à des prix compétitifs, parce que je ne vais pas non plus... non content, je ne vais pas ruiner les gens, mais en fait, c'est pas mon but. Mon but, c'est de leur redonner confiance. Que les gens reprennent confiance en eux en achetant quelque chose et non pas en les dévalorisant. Je ne dévalorise personne. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont failli finir sous un pont. Hein, et aujourd'hui, j'ai une situation à peu près correcte, on va dire. Mais
Il y a des gens qui ont des moyens pas possibles et qui ne font rien, qui ne font rien. C'est les gens qui ont le moins, en fait, qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent pour aider les autres. Donc le petit commerce de Maria s'adresse aussi et surtout aux personnes qui ont des soucis. Alors à savoir que j'ai mis un prix sur les articles. Bon, pas trop sur les livres parce que les livres, c'est quand même de la qualité. En plus, il y en a beaucoup que j'offre. Hein, donc c'est au hasard, hein, c'est la roulette russe. Hein, selon, il y en a qui sont offerts, il y en a qui ne sont pas. Mais en tout état de cause, quand c'est de la qualité, enfin quand ils sont en bon état, je marque. Et quand la couverture est en moins bon état, forcément, c'est offert, c'est normal. Voilà. Après, pour ce qui est des vêtements, on peut revoir à la baisse. Il n'y a aucun souci, on peut revoir à la baisse si jamais il y a quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment plaisir, mais que vous n'avez pas la possibilité de donner ce qui a le prix affiché. Eh ben, vous pouvez toujours me contacter et on peut toujours essayer de s'arranger. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis ouverte à tous les dialogues et je suis là non pas pour vous mettre, comme je vous ai dit, non pas pour vous mettre dans la misère davantage, mais pour vous aider. Pour vous aider. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais si c'était pour vous aider financièrement, mais je vous ai dit au début de vidéo pourquoi je le faisais. Juste pour que les gens reprennent confiance en eux, qu'ils se respectent. Parce que c'est trop dur. Alors oui, après, je fais des choses à côté que je donne, mais c'est au SDF que je donne. Je suis désolée. C'est au SDF que je donne parce que ils ont vraiment trop. Voilà, c'est inadmissible. Mais ça fait partie aussi de la politique à Macron de zéro SDF en France. Et en fait, au bout de 3 ans, il y en a toujours autant, voire de plus en plus chaque année. Donc bon, voilà, je ne veux pas. C'est pas le mot qui me convient et donc je vous le dis. Et j'espère que vous viendrez nombreux dans le petit commerce de Maria. Pour l'instant, comme je l'ai marqué, je suis en train de le mettre en marche. Donc j'ai mis les livres, après je mettrai les vêtements et après tout ce qui peut se présenter en fait. Je vous en ferai part au fur et à mesure. Mais toujours est-il que croyez bien que c'est pas pour moi, parce que si c'était pour moi, je le ferais pas comme ça. Voilà, c'est pas pour moi. C'est pour nous. C'est pour nous que je le fais. Voilà. Croyez-le, c'est de tout mon cœur que je le fais. Comme d'habitude, tout ce que je fais, c'est avec mon cœur. Donc encore une fois, c'est avec mon cœur. Et si je peux, si ce petit commerce de Maria peut vous aider de quelque façon que ce soit. Eh ben, j'en serais très heureuse pour vous et pour moi parce que j'aurais fait une part de mon travail. Et n'hésitez pas, vous avez un numéro de téléphone, vous avez un mail exprès. Hein, si vous ne voulez pas téléphoner, si vous avez une boîte mail, vous pouvez me contacter par mail, il n'y a aucun souci. Je regarde tous les jours les mails, donc vous pouvez me contacter par mail, il n'y a aucun souci. Et n'hésitez pas à me contacter surtout, n'hésitez pas. Voilà. Bah écoutez, en attendant de prochaines nouvelles et une prochaine mise en route de ce petit commerce qui Facebook met en route quand même quelques articles, hein. Bon, pas tous, quelques-uns. Il faut laisser le temps au temps. Et il faut que je donne mon feu vert et je l'ai donné qu'à moitié. Bon, forcément. En attendant, écoutez, prenez soin de vous, portez-vous bien, une très bonne année encore à tous et à bientôt dans le petit commerce de Maria. Bye!